Bonjour Max. Salut. Comment vas-tu? Bah écoute, très bien. De retour, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu Max, pour parler du 7e épisode. Oui, écoute, il y a eu l'été, il y a eu pas mal de problèmes au niveau de la post-prod, donc voilà, nous voilà pour le 7e épisode des aventures de bas de gamme. Ok. Bon, écoute, la dernière fois qu'on s'est vu, donc il y a quelques petites questions que j'ai pas eu le temps de te poser, parce qu'effectivement, nos épisodes, faut pas non plus qu'ils soient trop longs. J'avais oublié de te demander la dernière fois, quelle est la durée de ton film? Alors, mon film dure un petit peu plus de 20 minutes. Alors, 20 minutes, c'est pratiquement un court-métrage un peu long. Là, la plupart du temps, les courts-métrages tournent autour de 10-15 minutes. Et ça tient surtout, disons, aux organisateurs de concours qui aiment bien des films à un format assez réduit. Donc moi, j'ai pas voulu rentrer là-dedans. Bon, si mon histoire elle fait 20 minutes, c'est 20 minutes, quoi. Je vais pas compresser l'histoire et les plans, etc. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous parler plutôt des difficultés que tu as rencontrées tout au long du tournage? Par exemple, pour l'agenda, pour la météo, les problèmes de caméra, les problèmes de post-prod. J'imagine que des problèmes de post-prod, tu dois en rencontrer sur un court-métrage comme ça. Peux-tu nous en parler, Max? Bien volontiers. Bon, faire du cinéma, disons, fabriquer du cinéma, c'est, je dirais, là, les proportions, c'est pas toujours facile à déterminer, mais en gros, c'est 80% de contraintes, d'arbitrage, etc. Et 20%, disons, de matière véritablement artistique. Et dans ces contraintes, les difficultés, c'est notamment l'agenda. Réunir même une toute petite équipe, il faut vraiment avoir de la patience, de la persuasion pour avoir tout le monde sur le plateau le jour J, etc. Ça, c'est une grosse difficulté. La deuxième difficulté, ça a été la météo. Puisqu'on peut comprendre que vous aviez tourné même sous de la neige. Exactement, on a tourné à la mi-mars, un samedi et un dimanche, là où on avait la voiture de louer, et il neigeait. Il faisait entre 2 et 1 degré, ou même moins 1 quand on a tourné sur le port. Et puis le dernier tournage, on a tourné le 30 avril, il faisait 30 degrés. On l'a tourné ici au Monte Cristo. À quel point c'est que on a eu des reflets de parasols sur des vitres qu'il a fallu qu'on gomme au montage et au post-prod. Bon voilà, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre comme difficulté? Par exemple aussi, on a tourné avec 4 caméras différentes. Alors c'était les Sony, les GoPro, mais les Osmo, etc., etc. Lumix. Si bien aussi qu'une fois monté, on avait des problèmes de colorimétrie. Et j'aurais bien voulu faire mon premier film couleur, mais on aboutit un film noir et blanc, mais ça rentrait bien. Et alors, autre chose aussi, on a tourné sous la pluie. Et bon, comme on a une petite équipe, moi j'avais pas, on n'avait pas d'assistant avec le parapluie au-dessus de la caméra, si bien que parfois nous avons des gouttes de pluie sur l'objectif. Alors, au début, j'ai râlé vraiment parce que. Mais bon, je me suis dit, c'est pas si mal. Si on sent la présence du travail, c'est-à-dire la présence de l'événement. Bon, en peinture, moi j'aime bien les pochades, j'aime bien quand on voit le coup de pinceau. Écoute, là, on verra, c'est pas un coup de pinceau, mais on verra quelques gouttes de pluie. Voilà. Ok. Ton film est dédié à Afed de Ben Othman. Peux-tu nous dire c'est qui cette personne? Ah, oui, j'ai souhaité dédier mon film à Afed Ben Othman, qui est un pote qui est décédé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, qui est un braqueur, récidiviste, mais aussi, passons là-dessus, mais un grand écrivain de noir, un scénariste qui a été primé. Et aussi un acteur, je crois son dernier film qu'on a pu voir en salle il y a quelques temps, et même à la télévision, s'appelle Le Diamant Noir. Et c'est vraiment un acteur, il est extrêmement juste, et c'était vraiment un pote, mon pote Afed. Voilà, donc je tenais à lui rendre hommage en lui dédiant ce modeste film, cette modeste fiction,
pas policière, mais de gangster, voilà. Génial. Quand on réalise un film, on a une ambition. La tienne, quelle est-elle ? Alors, mon ambition, elle est modeste. Hein, je crois, j'ai fait un film en toute humilité. C'est raconter une histoire. Hein, c'est du divertissement. C'est pas un film intellectuel. Quoique, si on veut bien regarder ce qu'il y a à travers certains propos, certaines citations, on pourra voir que je traite la question, disons, de la famille, oui, tout à fait. De la prison, mmh. du capitalisme triomphant, bref, et puis aussi du grand banditisme. Mais alors là, bon, pas de grands mots, disons que c'est une histoire. Mon ambition, c'est de... Alors, mon ambition personnelle, c'est de me confronter à la réalisation cinématographique. Et grâce à cela, eh bien, j'apprends. Et moi qui suis un cinéphile, depuis que je fabrique des films, j'ai un plaisir absolu, inouï, de regarder les films, les classiques, et je vois les difficultés qu'ont pu affronter les metteurs en scène, les solutions qu'ils ont trouvées, le jeu des grands acteurs. Disons que mon plaisir de cinéphile est décuplé grâce à cette pratique. D'accord. Max, peux-tu nous parler de la musique du film ? Alors, la musique du film, si tu veux, est très très importante. Pour moi, la musique, vraiment, c'est un contrepoint aux images. Et elle va venir ponctuer avec un son le meilleur possible. Et la musique va travailler l'histoire en même temps, va souligner les effets, etc. Et j'ai demandé à Emeline Miseret de composer la musique. C'est elle qui avait composé la musique, une très superbe musique de Jean Ennelly. Et là, elle s'est attaquée à la musique. Vous la découvrirez. C'est une musique très intéressante. Je crois qu'il a bien compris le sens des images, de l'intrigue. Voilà. Et c'est tout à fait important d'avoir une musique originale. Ok. Et Max, une dernière chose, est-ce que tu peux nous parler de la sortie du film ? Est-ce que tu as fini la réalisation, le montage ? Et quand est-ce qu'on pourra voir ce film en salle ? Alors, le film est en cours de finalisation en post-prod, hein, le mixage, etc. Donc ça a été un peu plus long que prévu. On a eu un petit peu de problème au montage. Enfin bon. C'était prévu sortir octobre, mais compte tenu de la disponibilité des salles à Gonfreville-l'Orcher, c'est possible que ça sorte fin octobre ou début novembre. Voilà, donc on fera un appel sur Internet, enfin on fera tout le nécessaire pour avoir une présence, un public nombreux qui découvrira mon film. Merci Max. Bah écoute, on a hâte de voir ce film en salle et on te souhaite une bonne fin de journée. Merci à toi. Mon cher Patrick. Pascal. Merci à toi, bon coupera. Mon cher Pascal. Bon, on reprend. Allez, vas-y, on reprend.